présentation d'un livre, un livre un petit peu particulier parce que ce n'est pas spécialement dans le thème de ce que je présente d'habitude, mais euh, je trouve qu'il peut avoir un, un rapport justement avec tout ce qui est euh, herboristerie, euh, dans la pratique magique, etc. Donc c'est mon potager de fleurs comestibles, 60 fleurs et plantes rares à cultiver, récolter et déguster. Euh, donc c'est le premier livre de Valentin Morisset qui était un participant de L'amour et dans le pré. Et donc c'est un livre que j'ai pu choisir euh, aux éditions Jouvence dans le, dans le cercle des, bah, des lectrices Jouvence euh, dans laquelle j'ai été sélectionnée. Voilà. Donc euh, moi je le trouvais très chouette parce que je trouve que l'idée... Euh d'intégrer des plantes et des fleurs comestibles, évidemment, euh, dans sa cuisine. Bah, ça fait un peu partie aussi de, pourquoi pas, de la kitchen witchery euh, et de, bah, de l'herboristerie, etc. Voilà. Donc, on va le découvrir ensemble. Donc, on va lire ce qui est écrit au deux. D'abord, la saveur puis la couleur. C'est dans cet état d'esprit que Valentin Morisset arbore son potager de fleurs comestibles, havre de beauté et de promesses appétissantes. Il nous livre ici les clés pour connaître et préparer son terrain, préambule à une culture de qualité. Vous apprendrez également ses techniques et ses recommandations pour savoir quelles fleurs comestibles semer, à quelle période, comment en prendre soin et quand les récolter. En déambulant avec lui dans son potager, vous découvrirez chaque variété grâce à des fiches détaillées. Les bienfaits du yuzu citronnier du Japon, de la violette odorante ou de la pimprenelle n'auront plus de secret pour vous. Vous saurez comment mettre des fleurs en valeur et les recettes concoctées. Par ses soins, vous mettront également l'eau à la bouche. Alors, un petit mot de Karine le Marchand. Valentin propose des conseils sur mesure aux particuliers qui souhaitent se lancer chez eux dans leur culture. Il sait transmettre sa gourmandise des fleurs comestibles avec poésie. Voilà, voilà. Donc, euh, je trouve ça très intéressant. Et d'ailleurs, il y a une personne qui m'expliquait me, qui il n'y a pas très longtemps euh, qu'elle mettait, enfin, dans ses pâtisseries, elle mettait beaucoup de fleurs comestibles en décoration sur ses gâteaux, etc. Donc, on va le regarder ensemble. Voilà. Donc, évidemment, il est en couleur. On a le sommaire avec une préface de Karine le Marchand. Une introduction, puis le premier chapitre, euh, les grands principes de culture avant de commencer, mise en pratique, multiplication. Là, on va nous parler quand même bah, de tout ce qui est euh, bah, jardinage, hein, parce que si vous n'êtes euh, si pas habitué, euh, un peu comme moi, euh, à, à planter, etc., ben bah, voilà. Alors, la deuxième partie, ce sera pourquoi manger des fleurs, euh, marché de fleurs, état des lieux, le cas des fleurs comestibles. Et la troisième partie, ce sera quelles fleurs comestibles dans un jardin, la famille des plantes à fleurs, visite guidée de son potager de fleurs comestibles. Et puis à la fin, on a euh, plus de recettes avec des fleurs, une conclusion, un lexique des ressources, des remerciements, un index des fleurs et des plantes comestibles et des crédits photographiques. Voilà. Donc on a comme je viens de vous dire la préface et regardez comme c'est joli ici en liseré on a on a des petites fleurs qui fait très printemps justement une introduction de Valentin la première partie bon les grands pr principes de la culture en premier avant de commencer l'exposition et l'apport en eau les différents types de sol les plantes indiquant le type de sol donc là on va vous expliquer hein, euh, c'est pas difficile les sols argileux, etc., sols sableux, bon, ça, moi, j'y connais pas grand-chose. Puis, les principales plantes bio-indicatrices, voilà, coquelicots, j'adore les coquelicots. Et c'est aussi les boutons d'or qui euh, ne sont pas euh, comestibles, il me semble. Hein. Il y a une partie comestible aux boutons, ah bah si, boutons d'or, toute la plante fraîche et les feuilles. Ah non, pendant la floraison, sont toxiques. Oui, voilà, il me semblait bien. Donc, ce sera plutôt. Euh, il nous explique bien. Il me semblait bien que ce n'était pas du tout, que c'était même du poison. Voilà. Donc, là, il nous explique toutes ces plantes. Alors, recommandations pour les débutants. Bah, ici, pour tous les débutants, il vous explique les outils euh, principaux dans le jardinage. Puis, on a le, la deuxième, le deuxième chapitre avec la mise en pratique comment préparer son terrain. Voilà, bon, moi je ne suis pas spécialement la main verte. Bon, ce même pas que je n'ai pas la main verte, c'est que je ne suis pas souvent occupée euh, à jardiner, à planter des choses. Euh, à part des potirons, j'ai pas beaucoup de temps. Bon, semer, planter. Voilà, des décoctions de plantes. Ici, principales fleurs comestibles facile à réussir au jardin. Vous voyez, la chilée, par exemple. Ça, ça on, on l'emploie aussi dans les herboristeries euh, la bourrache aussi. Ciboulette, ça oui. <laughs> il y a des, les gourgettes, ça c'est vrai que moi j'ai planté des graines de gourgettes, ça a poussé tout seul. Hein. Il n'a rien fallu faire. La lavande par exemple qu'on utilise aussi dans, dans plein de, de rituels aussi. Donc vous voyez, ça se rejoint. Le lilas, moi j'adore le lilas, c'est l'odeur des pâquerettes. Bon, ça il n'y a rien à faire, ça vient tout seul. Hein. Voilà, il y, a, il y a plein de fleurs comme la, la violette, euh, la sauge aussi. Voilà. Prendre soin et éloigner les ravageurs. Bon, là, on parle des, des petits animaux qui viennent euh, ben, ruiner, hein, comme les limaces, les escargots. Euh. Quelques mots sur la fertilisation et la production des cultures. Les engrais, les pendages, comment récolter. La multiplication. Et là, on va parler des bouturages. Hein, pour, euh, ben, voilà, comme ça, mon papa faisait ça euh, le bouturage pour faire des, ben, pour faire des jeunes. Hein. Voilà, euh, avec... Euh, bon, il y a différentes méthodes apparemment. Le marcottage. Mais c'est bien, bien expliqué pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose euh, en jardinage. Pourquoi manger des fleurs Alors, marché de la fleur, état des lieux. Ici, on va nous parler un hein, pourquoi, une anecdote, le cas des fleurs comestibles, la saveur dans la gastronomie, une culture délicate axée sur la saveur et la nutrition dans tout ça. Ici, le planning annuel de la ferme de Saint-Daniel. Quelques fleurs comestibles, quelles fleurs comestibles dans un jardin Il me que j'avais vu un poivron. La famille des plantes à fleurs. Donc il y a différentes familles. Je vais vous éviter le nom, ingraminé, hein, laminacée, etc. Ici la fa les familles secondaires. Il y en a pas mal, hein? Visite guidée de son potager de fleurs comestibles. Serre numéro 1, 80 mètres carrés de richesse gustative. Et là, euh, on a bah, tout ce qu'il a mis dans, dedans. Du coup, par exemple, la consoude, ça, c'est aussi quelque chose qu'on entend aussi dans, dans les rituels. Hein. On retrouve la description botanique, comment la cultiver, quand il faut la récolter, comment l'utiliser. Par exemple, ici, très intéressante par plusieurs aspects. Je la consomme principalement pour ses fleurs, mais aussi ses feuilles utilisables en chips, mises au four avec des pignons de pain et un trait d'huile d'olive. Elle peut aussi servir à faire des purins et, et un excellent engrais naturel. Attention, ne pas consommer trop fréquemment, elle est toxique pour le foie. Les vertus les racines et les feuilles sont émollientes et adoucissantes, utilisées pour soigner les dermites des animaux. Voilà, l'amande verte, ça, moi j'en ai dans le jardin euh, et j'adore. L'herbe de l'immortalité, les mérocales jaunes, la pimprenelle, ça, on entend aussi. Il y a des recettes aussi. Voilà, par exemple ici pesto de pain prenelle, ça a l'air bien bon. Verveine de citronnelle, la verveine de citronnelle plutôt. Coqueret du Pérou, ah ça j'ai déjà vu ça. Ça ressemble à des fisalis. Ben, je crois que c'est ça, fisalis, d'ailleurs. Oui c'est ça je crois. L'aloe vera, bon ça tout le monde connaît. Hein. Citronnier caviar, le kumquat, ça j'ai déjà entendu aussi. Le citronnier yuzu la bulbine, l'oranger sanguin, la plante fromage, ça je connais pas, le kombava. la bergamote, ça oui, le citron vert, l'amande d'Australie, euh, la fleur cire à longue feuille ou eriostin, ma fleur orangée, le cana comestible, le gingembre, ça euh, ma maman aime beaucoup le gingembre, elle en met dans son thé. Et alors ici, on a euh, toast au boudin noir et au gingembre. Le wasabi, l'hibiscus, l'ail d'Afrique du Sud, le pistachier lentisque, le géranium rosa. Celui-ci, on utilise ça aussi, hein, l'huile essentielle de géranium rosa. J'ai déjà vu l'ail des Incas, l'œillet de poèse, l'œillet d'Inde, le fraisier ananas, le plox Ranculé, le souci officinal, le pacanier, la plante caméléon, mm -hmm. la sauge ananas, le réfort, la, la gastache mexicaine. Et à chaque fois, on a des petites recettes. Le mertensis maritime, le bégonia, la réglisse, l'armoise. Cola, on en prend aussi l'armoise. Le platycodon, Le sumac de Virginie. L'aronia. l'éléanius La myrte. Le cédrel de Chine. Le mûrier, Le pain parasol. Le pain aussi. Hein, on, on, on utilise les, les épines séchées. Enfin, les épines. Oui, les épines séchées. Le dahlia. C'est très joli ça, le, les dahlia Le muflier. Le cosmos. Le rosier, bon là, une gelée à la rose. Ça, je savais quand même qu'il y avait des, des pétales de rose que, qui, qui se mangeaient. Le tagette, la violette odorante. Je crois que c'est les violettes qu'on met aussi sur les gâteaux, d'ailleurs. Pour faire un sirop de violette, la capucine, la bourrache, ça c'est connu aussi. Plus de recettes avec des fleurs, un sirop de coquelicot. J'en oh ai tout plein en face de chez moi. Euh, sablé aux fleurs de lavande, ça doit être bon. Crème de dessert au lilas. La dernière fois, j'ai mangé, goûté quelque chose. Je crois que c'était des petits biscuits avec de la lavande dessus. Non, c'était un fromage de chèvre à la lavande. Et eh bien, c'était, c'était très bon. C'était, c'était très spécial à goûter, mais c'était très bon et on, on... on sentait l'odeur de... de la lavande du coup. Ouais. Alors, une conclusion, un lexique. Bon, là, c'est bien pour, il euh, y a plein de mots que moi, que je ne connais pas, hein, euh, comme par exemple herbacée, panicule, moi, tout ça, je ne connais pas. Donc, c'est bien euh, pour ceux qui, comme moi, n'y connaissent pas grand-chose en jardinage, pour avoir la définition. Les ressources, des petits remerciements. Et puis, on a un index des fleurs comestibles. Voilà. Et puis les crédits euh, iconograph enfin, iconographiques photo. voilà. Donc voilà pour ce livre, mon potager de fleurs comestibles. Moi, je le trouvais vraiment chouette et j'aimais bien euh, bah, l'idée de, de faire coïncider les fleurs comestibles à tout ce qui, à, bah, ce qui est pratique magique, cuisine magique, etc. Voilà. Euh, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez ça intéressant ou si ça vous botte pas du tout de mettre des fleurs. Euh, dans vos recettes, voilà. Euh, ou si vous le faites déjà, pourquoi pas. Je suis preneuse aussi de le savoir. Euh, du coup, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, mais je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous